Ouais, là-haut, hein. Ah bah ouais, ça a l'air pas mal, regarde. Ouais, ouais. 2005. 2005. C'est haut quand même, hein. C'est plus haut que chez nous, hein. Plus haut que chez nous, hein. On prend de la cabine. Pas trop comment ça marche, mais les skis ou pas? Les skis. Oh. Oh, prends handicapé, va. Bah. Oh, mais les skis, ouais. Oh, ah, ça, c'est réglé. Pas réglé. On va rater la benne. Bah, ouais, pas prochain, là. Il y a un Kinder qui traîne. T'as vu? Il y a un Kinder. Ah, là, là, là. Ouais, je vois. Kinder. 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 Hey. Kinder surprise. Kinder surprise. Balle de montagne. Bois l'agneau. Surtout avec l'altitude, putain, ça tape. C'est où le couloir? À l'altitude. Ça va? Putain, j'ai... Ça me tourne la tête là. Alors, il est où le couloir de l'ENSA? Mais il est par là. Ah, c'est ça? Ouais, ah, c'est par là, faut descendre. On, y... on descend là alors. On prend de la benne là, tu vois. Prendre la benne? On la benne comme ça. Eh, hey, regarde, ça glisse bien là. Le couloir de l'ENSA, je crois que c'est là-haut, hein, par là-haut, ouais, il me semble, hein. Pas là-haut, là, celui-là, là-bas. Ils ont dit, la cabine, elle suit le câble. Bah, les snowblades, des dieux, comme ça on se perd pas. Instructeur patinette. Voilà, c'est où l'ENSA? Il y a des panneaux, tout droit, comme les vrais. On n'a pas l'habitude à Paris, hein. Ah, c'est engagé là, hein. J'ai peur moi. Mais c'est une piste ou pas? Si on se perd, faut appeler l'hélicoptère. Ouais, j'ai arrêté ici là quand ils vont savoir ça. C'est ça? Ouais, c'est ça. On dit c'est raide. Ça, ouais. Regarde les pierres à la montagne. Attends, sûr, j'arrive. Oh, crevasse, c'est quoi comme glacier? On aurait peut-être dû prendre un guide. Des traces de bêtes? Ouais. C'est quoi comme bête? Alors, il y aura des traces de nous? Rada, eh. Rada. On pourrait faire du freeride la prochaine fois. C'est pas une piste verte, je crois pas, hein. Non, je crois que c'est plus plat. Eh, j'ai trouvé une line. C'est puff. Wesh gros. On va se perdre. Dédicace DD1. Ouah. Je tombe par terre. C'est pas très bien réglé ces skis là. Ah, je te vois DD1. Faut pas oublier de baisser la butée arrière quand on chausse. Sinon ça ne met pas la chaussure, tu vois. Bon bah on continue là. J'ai remis comme il faut. On y va. Attends, attends, attends. Une seconde. Oublié parce que ouais. Ouais, j'ai soif. Elle est là la fiole, regarde. Elle paillette de décompression. Je n'ai plus. Elle paillette de décompression. Ah, on ne s'est pas perdu. On peut aller en bas, je pense. En bas des arbres. C'est la vallée. Une fois qu'on est en bas, on est sur plat. On arrivera à la ville. Comment ils disent? Palo line. Palo line. Là, il y a un palo, là. Il y a un pailo. C'est plus bon, paraît très bon, là. Hein. On dirait qu'il y a eu de la pluie. Je crois qu'ils sont trop petits, mes skis. Par là, ça passe, je crois. Hein. Plein de pierres. C'est chaud, la bite. Faut bien boire pour skier bien. Comme ça, t'es bien plein, tu skis bien. Ça, c'est produit montagnard. C'est moins fort chez nous. Ils la font forte, ici, la gnôle. 50-55. Après ça, une grande bière. C'est freeride, mon gars. Premier en bas. Eh, vous passez par là-bas, toi, là-bas, t'as vu? Hein, c'est là, vous passez. Alors, comment ça marche? Voilà. C'est bien, Chamonix. Reviens, vrai. Ouais, deux, t'as cubélé. Voilà, là, j'ai le bout, la perche, ils ont dit, en bas. J'ai demandé au pisteur.